Salut à tous, donc on se trouve à nouveau sur Fortnite, donc pour la suite des défis courses tempétueuses. Donc cette fois-ci, il faudra danser près de différents télescopes, donc il faudra danser devant trois télescopes, donc je vais vous montrer en game où trouver du coup trois télescopes, donc c'est parti. Et donc voilà, on se trouve en game, donc déjà, je vais vous montrer sur la carte du coup où trouver ces trois télescopes, donc hop, j'essaie juste, voilà, de rester à peu près droit. Donc le premier télescope du coup, le plus connu, c'est à Dusty, donc on va y aller ensemble. Ensuite, il y en a un Shifty, donc il me semble que c'est cette petite colline ici. Donc je vais zoomer un peu plus dessus pour le coup, voilà, donc elle est juste ici, donc voilà, ça c'est normalement le deuxième télescope. Et le troisième, si je me trompe pas, normalement on le voit, il est quelque part par ici, donc cette colline là. Je vais vous les montrer en zoomant après du coup, une fois qu'on aura atterri. Comme ça vous pourrez bien voir où sont les télescopes. Normalement il est là, donc celui-là il est connu pour le coup, tout le monde le connaît, plus ou moins en tout cas. Donc est-ce que c'est le visiteur du coup qui nous regarde ou pas, ou est-ce que c'est pour observer? On n'a jamais trop su à quoi ça servait, enfin quel était le rapport. N'oubliez pas d'ailleurs que la fusée est en train d'être construite en face. Voilà, j'espère vraiment que ce sera un nouvel événement avec une nouvelle carte. D'ailleurs dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, est-ce que vous aimeriez une nouvelle carte pour la saison 11 peut-être, parce que là du coup la map a pas tellement changé, c'est juste les villes qui ont changé. Et du coup là on va danser devant le télescope, donc normalement voilà, on danse, on regarde les défis. 1 sur 3, donc voilà. Donc voilà, du coup, je vous fais un petit cut et on se retrouve au deuxième télescope. Donc c'est parti. Et donc voilà, on se trouve au deuxième télescope. Donc on va du coup faire la petite danse. On va vérifier les défis. Donc course tempétueuse. Donc là, 2 sur 3. Donc comme je vous répète assez souvent, je relance les parties du coup parce que la zone arrive et j'ai jamais le temps de faire le troisième. Et je lance aussi en partie perso pour être tranquille. Donc là, je vous le montre quand même. La zone arrive, je suis tout seul, donc je vais devoir relancer la game pour aller du coup pour aller au troisième et dernier télescope, donc qui est normalement juste ici, donc du coup, donc voilà. Et aussi pour ceux qui cherchent les chronomètres, donc je vous montrerai suite plaisante du coup. Il y en a un bah, juste ici en fait, il est juste en dessous du télescope, donc il est juste là. Si vous voulez, on peut voir le défi, ce qu'il faut faire. Mais principalement, c'est pas dur en fait, d'accord. Bah, c'est vraiment pas dur. Vous avez les véhicules, bah je vous conseille de faire celui-là pour le coup. Avec les véhicules, il va se faire tout seul. Bon, du coup, j'ai pas encore fait le cut, je fais le défi avec vous. Je m'attendais pas à le trouver, donc voilà, au moins on regarde si c'est faisable ou pas. Puis comme ça, ceux qui veulent le chronomètre, du coup, je vous l'ai déjà montré. Voilà. Ah bah voilà, en plus c'est validé, donc voilà. Course tempétueuse. Je pense que je vous le remontrerai du coup, s'il faut dans les prestiges faire les deux. Mais du coup, je vous montrerai suite Pleasant Park. Donc, voilà, pour ceux qui voulaient savoir où étaient les chronomètres, bah voilà. Vous faites d'une pierre deux coups. Et nous du coup on se retrouve au troisième et dernier télescope, donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier télescope. Donc comme je vous ai dit, comme j'ai relancé la partie, on se trouve du coup dans les airs. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à passer sur Utip. Et je suis désolé, comme je vous ai mis dans communauté, donc sur Utip, je peux pas vous faire de concours pour le moment parce que je viens de regarder. Comme ça sera la première fois que je recevrai la paye du code créateur, je dois attendre 3 mois. Donc à la fin de ce mois-ci, avec du coup ce qu'on a gagné avec YouTube, je vous ferai un concours. Donc à la fin du mois, je vous ferai une petite annonce. Donc dites-moi en commentaire, ou je vous fais un petit sondage. D'ailleurs, je vais plutôt vous faire un petit sondage. Donc en haut à droite de l'écran, dites-moi du coup si vous préférez le concours sur YouTube, donc en live ou juste dans la communauté, sur Twitter ou peut-être sur Snap ou Insta, vu qu'on n'en a jamais fait. Voilà, je vous laisse me répondre et en attendant, hop, je danse sur le télescope. Donc à côté, pas sûr du coup. Bah, au pire, on peut même danser sur le télescope, hein, ça change pas grand-chose. Voilà. Alors, on regarde le défi. Course tempétueuse. Donc voilà, 1 sur 3, comme j'ai dit, je dois relancer la game. Donc là, on serait à 3 sur 3. Donc, comme d'habitude, si vous n'avez pas quitté la game, vous serez à 3 sur 3. Mais moi, comme j'ai quitté, je suis à 1 sur 3. Donc voilà, comme d'habitude, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. A plus et à la prochaine.